tout juste de célébrer les 30 ans de l'association Emmetrop de Bourges. L'occasion pour Cultures de revoir quelques reportages réalisés sur cette friche de l'entrepôt, à l'entrée de Bourges. 30 ans d'une vision juste, c'est le sens de l'hémétropie. Emmetrop n'a donc jamais été une maladie, au contraire, c'est plutôt un remède contre le regard trouble. Une vision qui couvre tous les champs, de la musique au théâtre, en passant par l'art contemporain ou l'édition. 30 ans est toujours là, clame la Raya Berruyère. C'est qu'il a fallu s'imposer dans la ville du printemps. La culture non officielle, émergente, parfois déviante, a dû faire son trou avant de gagner son nid, route de la Chapelle. Ultime pied de nez, sans doute, que cette adresse pour une asso originellement constituée de punk hérétique. Contestation, proposition, engagement sont les fondements de l'aventure. Ici, l'art est forcément mélangé, pluriel, tandis qu'il s'agit de s'adresser à tous. Chez Emmetrop, on n'aime jamais trop. Des jeunes des cités aux bobos de Bourges, qu'on n'appelle surtout pas les bourgeois. Hommes, femmes ou trans, chacun y trouve sa place depuis 30 ans, et j'espère bien que nous fêterons nos 50 ans ensemble. C'est dans Cultures, le mag de toutes les cultures de la région centre. Le temps d'une résidence chez Emmetrop, Franck Mass, omniprésent auteur et metteur en scène de Gênes, nous livre sa vision du théâtre. Sa pratique est vécue comme une expérience collective dans laquelle il tient la place d'un véritable papa poule. Allez. T'es à combien là? On te veut pas de son, on te fait ça? D'accord. Quand on te veut de non, son. Non, mais je vais te faire monter. Oui, non, non, écoute-moi. Quand on te veut de son, on te fait ça et te montre. Quand on te veut de son, on te fait ça. Là, ça, la paume de la main, mais donne à moi savoir si tu vas vers le bas ou vers le haut. D'accord? C'est tout. À partir de là, tu peux trouver, chercher et faire ce que tu veux. J'écoute les mots que tu récites par cœur. Toujours les mêmes. Avec le même regard rive à la conviction. Cette volonté suspecte que tu as de prouver, de te justifier, de surligner les passages usés jusqu'à la corde, alors que j'espère seulement un changement de ton, une brèche, un hiatus. Mais tu t'entêtes. Et là, tu as quelqu'un qui se relève, et qui veut donner cette fameuse réponse. Et donc, il a ce corps moribond, et on le sent dans les derniers efforts. Il est là, il veut dire, il y est, il va lui donner. Et Raymond, là, fait, ne laisse. C'est comme si, en fait, c'est comme si le spectacle, il rend, c'est comme si pendant le moment où les gens étaient là, je mettais une petite graine, voilà, dans leur tête, dans leur corps, comme si j'essayais d'ouvrir leur port. Voilà, j'ouvre les ports et j'y mets un baume, j'y mets un baume sain au lait ou un baume urticant, et que je vois comment ce temps-là germe. Voilà. Vous avez pas de belles graines. Putain, ça y est. On va faire ça, on va cuire ça assez vite. On va faire la tombée du corps de quai. Les filles vont ramasser les carreaux de céramique. Nous, ensuite, on va vraiment travailler sur le plateau. Donc je ne vais pas aujourd'hui te demander de faire la levée et l'ABC. Enfin, tu vois, le début, comme ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on va pas le faire. Je vais pas être fatigué. Enfin, pas fatigué trop. Je vais être fatigué, mais pas. Si je peux éviter ça, on fera pas ça. Donc tu te mettras dans le trou. On va faire un filage jusqu'à la levée. C'est page 11. Attends. Ce serait bien que les filles, vous veniez pour le. Pour le truc. Tu peux répéter à partir de la célébration, page... célébration. Non, non. Oui, ça commence. Oh, qu'est-ce que vous avez là? Ce grand organe de pierre est en perpétuelle attente de nouvelles célébrations. Okay. Tu attends que Raymond, il faut que ce soit exactement au moment où Raymond dit « Faut bien trouver un truc pour endormir la bête. » Ça commence. Okay. Et là, la musique, elle commence. Donc voilà, c'est après.
Ce n'est pas après célébration, c'est après endormir la bête. Je sais ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Parce que viens de me dire, trouver un truc pour endormir la bête. Et là, ça commence. Non. Faut bien trouver un truc pour endormir la bête. Donc. En fait, un spectacle, c'est une saison. On met une graine dans les gens, à l'intérieur. On leur propose, comme s'ils deviennent, un terreau. Et que pendant le temps du spectacle, le germe, il grandit. Ou il s'assèche, ou il prend pas. Ou il pousse très vite. Et donc un spectacle, c'est une saison. C'est ça. Alors. Ça passe pas mal. Alors, normalement, le parleur est là-bas. C'est ça ? L'histoire, en fait, c'est le gros phénomène qui se passe, et que ça adhère trop à ça. Ouais. J'ai trouvé quelque chose qui adhère. Parce que là, la vibration sur la structure, tu l'as largement. On avait hier du couscous. Non, mais la paraffine, c'est pour les faire lisser. Ah, mais du coup, avec la paraffine en dessous, peut-être que. De la quoi ? Non, justement, il ne faut pas de la paraffine, il faut quelque chose de granuleux qui appelle pas la. Du couscous, mec ! Couscous carbide. Et déjà, tu vois, si les grains de couscous, ils disent pas. Tu veux qu'on enlève et qu'on mette des. Les... Du couscous, oui, j'ai décidé. Voilà. Non, mais je ne mets pas dessous les deux, sous les carrés. C'est pas ça. Bah, déjà, 100. Déjà, voir 100. Tu vois. Mais je pense qu'il faudrait plus mettre où il y a le sub, au milieu. Vas-y, vas-y. J'inocule quelque chose dans quelqu'un, dans toi. J'inocule, je mets une graine dans toi. Ça ressemble à de la reproduction, marrant. Mais peut-être que tout d'un coup le théâtre c'est ça, c'est de reproduire. J'ai envie de préciser. Ok. Je vais chercher Raymond. Tu vas faire ce que tu as à faire. Elle le fera ensuite. On te mettra ton siège. Mm-hmm. Et on va faire la levée de plateau. Et au moment où le plateau se lève, hop, tu vas disparaître et quelqu'un vient venir. Fermer le plateau derrière toi. Ça, à la fin. Voilà. Mais il faut que tu sois très vigilante, Raymond. Extrêmement vigilante. C'est que là, on va le faire tout doucement. Mais dès que tu sens le plateau te lever, en fait, tu vas disparaître. Et tu vas tout de suite te mettre. Tu vas faire ça, tu vas disparaître et tout de suite partir sur le côté. Le bruit du début ne va pas être présent là. Donc vous commencez quand vous voulez. Des mots qui élargissent un peu plus encore la place où je ne veux plus être, soigneusement dissimulée dans l'armoire, dans le tiroir, dans le bidet,
dans ton putain d'agenda, tes coupures de presse, dans ta boîte à bordel, et qui par autorité de la faiblesse vous lègue ce qu'on regrettera longtemps d'avoir tant demandé, et qu'on se reprochera ensuite à tort d'avoir été inquisiteur, confesseur et commanditaire. C'est pas ça que je veux. C'est le ton, la manière, le coup, le petit tremblement. C'est ça, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, juste. Voilà. Voilà. C'est tout. Merci. Preuve qu'Emmétrope est une terre d'accueil, l'arche de Noé de tous les inclassables de la culture. Nous y avions croisé une bande d'allumés venus de la Châtre et du monde entier. Aujourd'hui, la fac, ce drôle de laboratoire artistique international et autogéré, semble avoir disparu. Mais Emmétrope reste une des structures les plus accueillantes pour permettre aux créatifs en tout genre de développer leurs projets. D'ici là, à Bourges, qu'est-ce qui se passe ? La rencontre de l'invendu, de l'invendable et du pas encore vendu commence. Donc on a proposé ce projet-là à Emmétrope et puis il y a eu un bon feeling en fait dès le départ. Parce que c'est pas hyper simple pour une structure culturelle de dire bah ouais on vous invite mais on sait pas du tout ce qui va être joué. On sait juste qu'il y a 30 artistes et qu'il y a des circassiens qui vont peut-être faire un projet photo et des gens qui sont photographes qui vont peut-être faire un projet cuisine parce qu'en vrai ils font ce qu'ils veulent. Et puis Emmétrope a joué le jeu et donc voilà on se retrouve à faire ça ici. Vous êtes en train de filmer toute cette fourmi qu'on essaie de mettre tous en place, finir la création. On prépare, on prépare le festival. Mais il y a une chose qui n'arrive pas, une chose qui est pour moi. Tu regardes là et tu dis fac. Et après, après c'est tu fais du playback. La fac, c'est la fabrique alternative autogérée aux arts et à la création.
La FAC, ça signifie Fabrique Alternative Autogérée des Arts et de la Création. C'est né il y a 4 ou 5 ans à La Châtre, dans l'Indre. Au départ, c'était une formation autogérée d'art du cirque. Et puis, au fur et à mesure des années, c'est devenu une débuleuse d'artistes. Et maintenant, on est à peu près 70-80 en Europe à avoir fait des projets ensemble et à être en réseau, en fait. FAC, ça veut dire Fabbrica Alternativa Autogestita dell'Arte delle Creazioni. Tehdas itseohjautuvalle taiteelle ja luomistyölle. Shalom Ima, אני אוהבת אותך. אני רוצה לאכול פלאפל ולשתות מים. Urgenza! Urgenza! Poulet, ma, tiens, poulet, ma, pas panique, non panique, pas panique, non panique. Okay. Limba, Kalimba, Kalimba, Limba. Ah. Cette rencontre avec la FAC, c'est super. Super raconter lien entre voyager et créer. Come to my house, I bring you some peace. Come to my house. Then you will see the light goes over the window, over the sea, over the mountain top and over the me. Beaucoup aimé Portugal parce que ça m'a donné une sensation que une sorte de liberté qu'on peut tout faire, il faut juste le faire. On est clairement dans la partie il faut finir quoi. Il faut tout ce qui était un peu de l'ordre de l'utopie ou de la recherche, maintenant il faut concrétiser et que ce soit terminé. Festival del non venduto, del non vendibile e non ancora venduto. Je suis fatiguée, que, en même temps je suis dans un état où j'ai beaucoup d'énergie et avec cette fatigue j'arrive de faire beaucoup plus de choses parce qu'il y a une sorte d'urgence et finalement la création de 4 jours ça peut être très bien dans cet état de fatigue, ça donne plus de matière aussi parce qu'on va vite et il y a des choses qui sortent sans réflexion, qui marchent bien sur scène souvent. Peut-être dans les stops, tu pourrais faire des body percussions et après on reprend. Que je fais un silence, un moment, et juste à la fin, il y a un avec le blues. On essaye ? Mon outil premier, c'est le hautbois. Mais après, j'ai fait des trucs très sérieux avec mon hautbois, avec le conservatoire et tout. Et après, j'ai fait ça très fort, avec des grosses études solitaires. Et puis après, j'en ai eu marre. J'ai commencé à faire des choses avec les gens du cirque. Mmh.
Et en fait, moi, si j'avais le choix, là, j'irais plutôt jouer quelque chose dans les toilettes. Si finalement, c'est là que ça sonne le mieux. Ici, c'est un peu pour chanter. Moi, j'aime pas trop. Donc, toi, t'irais bien aux toilettes. On chante aux toilettes. Ouais. Et Elior, déjà. Et Elior. J'ai fait la roue. Du coup, c'est avec tes micros et tout ça, je dois penser et tout ça. Les microphones, comment être libre dans les contraintes des microphones. Et maintenant, ça pousse un peu. Ouais. Je trouve pas. Promis, après celui-ci, on arrête. En ces temps de célébration guerrière, nos poilus à nous ont le blues. Marie-Françoise Gaucher a imaginé leurs rêves et cauchemars pour accompagner notre réflexion sur la der des der. Cultures.